Bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer un jeu que j'aime bien, qui est l'Othello, ou le Reversi. Ça ressemble à un puissance 4. Enfin c'est un jeu de plateau. Les règles sont assez simples. Après il y a plein de stratégies différentes, mais on va tenter de faire une partie en ligne. Alors je vais aller sur le site playok.com. Je vous mettrai le lien dans la description. On va essayer de faire une partie en ligne contre quelqu'un. Allons-y. Alors voilà. Je me suis inscrit cet après-midi sur le site, donc j'ai très peu de points. Mais on va essayer. Alors là, c'est une partie en 1 minute. 1 minute, c'est vraiment rapide. 10 minutes, c'est un peu long. On va tenter 3 minutes. Alors. Moi, je suis PMG 13. Hein. Donc, on va voir. Alors, lui, c'est les noirs. D'accord. Du coup, moi, c'est les blancs. Je vais jouer ici. Le but du jeu, c'est de mettre un pion. En gros, j'ai un blanc. Si je mets un blanc là, je vais retourner son noir, qui est entre mes deux blancs. Je retourne en blanc. Alors lui, il joue là. Moi, je vais jouer ici. L'idéal, c'est de prendre des coins. Les coins où... quand on prend un coin, on peut pas se faire retourner. Donc l'idéal, c'est de prendre un coin et après d'arriver à mettre des pions à côté du coin. Et allez voir. Allez, je joue là. Alors le problème, je vais tenter de jouer là. C'est un peu risqué parce que je me rapproche un peu de la ligne du bas là, horizontale. Il joue à côté de moi. Pas mal. Je pense que je vais laisser. Je vais jouer ici. On va voir. Après, je sais pas quel niveau il y a du tout. Je ne connais pas trop ce site. En tout cas, je vais essayer de prendre le bas. Il joue là. Il faut faire attention parce que s'il joue ici, après, il me retourne. Il aurait pu me retourner toute ma ligne blanche en noir. Il faut faire assez attention. Je vais jouer là. En 3 minutes, on va voir ce que ça représente. Je sais pas si je vais être juste en temps parce que je peux jouer là. Je joue là. J'ai pas un très très bon niveau. Il y a des clubs d'Othello et tout. Hein. Il y a plein de stratégies différentes. Rien qu'à l'ouverture. On peut faire plein d'ouvertures différentes. Alors lui, je vais tenter. Je vais tenter là. Hein. Il peut jouer là. Il peut jouer là. Je joue là. Donc, je vais le contrer ici. Paraît pas mal. Il joue là. Attention. Là, il peut. Je vais le contrer ici. Il joue là. Mais je vais prendre le coin. On pourra jouer là. Entre les deux. On va jouer là. On a un coin. On a un coin, c'est pas mal. Après,
Après, faut voir. On pourra jouer là. Après. Pour être intéressant. On joue là. Attention. Attention. Je vais verrouiller là. Ma vie. Ça, c'est des jetons. Tu pourras jamais le reprendre. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir le coin. Parce que là, on. De toute façon, qu'il y a 64 cases sur le damier. Et ben. Quand on a une ligne de 8, tout de suite, et ben. C'est intéressant. Là, il peut plus jouer. Donc, je vais jouer là. Les blancs gagnent. Donc, pourquoi? Il a juste déconnecté, je pense. Après, il avait pas perdu, mais j'en avais quand même. J'avais ma ligne qui était là. La ligne horizontale ici. Cette option-là, je pouvais pas le reprendre. Celui-là non plus. Voilà, il y avait. Il y avait quelques plans qui ne pouvaient pas reprendre. Et là, il a abandonné. S'il veut. En tout cas. C'est gagné. C'est dommage que la partie ne s'est pas terminée. Mais bon. C'est comme ça. On va essayer d'en faire une autre. Un jour. Alors. On va commencer. Donc nous. Nous sommes les noirs, je vais ouvrir en horizontal. Je vais en horizontal. Alors là j'ai plusieurs choix possibles. Je vais faire une ouverture par le milieu. Là il me compte en diagonale. On se rapproche beaucoup du bord. Mais bon. 3 minutes. On va voir si c'est chaud ou pas quand même. De l'autre côté. On se rapproche du bord. Droit aussi. Donc c'est. Pour rien vous cacher, je regarde le rugby en même temps. Pas très bien de. Je suis pas concentré au maximum sur le. L'Othello. Mais bon, il y a France-Irlande. J'ai envie de voir ça. Bon, pour l'instant, on perd 3-0, mais. Mais bon. Alors là, c'est intéressant. Je vais pouvoir retourner toute la ligne après. Ici, là. Mais là, je peux prendre une diagonale qui est intéressante. Oui, du reste. J'ai fait un groupe de. Le pion qui est pas mal. Après, lui. On donne le coin. Donc je prends cette pièce. On pourra pas me la retourner. Ce jeton-là, il sera toujours noir. C'est l'avantage. Je ne veux pas jouer. Donc je rejoue. Je valide. La ligne du bas, elle est à moi. Là, il peut jouer que là, je pense.
Ouais, je peux jouer que là. Allez, attends. 1, 2, 3. 1. Et attends. Oh, 3 minutes, ça. Ça va. Faut pas descendre. En 2 minutes. 1 minute, ça fait vraiment pas beaucoup. Le temps de réflexion. Mais bon. Non. Alors, soit il abandonne, soit il attend que le temps se termine. Il me reste 1 minute 21 de réflexion. Lui, bon, et ben, on va regagner. Je sais pas s'il veut en refaire une, on va lui proposer, hein, pour ça qu'il jouait. C'est à moi. On va faire le classique. Un peu comme tout à l'heure. On va essayer. Pour l'instant, ça part comme tout à l'heure. Ah, y'a plusieurs choses possibles. Faut essayer de rester dans le carré. De pas trop sortir. Lui vient de sortir le carré central. Je peux. Allez, ouvre. Il prend la ligne. Hein. Je veux là. Wow, il tente là. Ça. Alors là. On a 5 minutes hein, de réflexion. Ce qui est bien. Il reste 3,39. Moi, je peux jouer là, ici. On va jouer là. Je joue là. Ouais, ça c'est. Faire gaffe parce que si je joue là après. Il joue le coin? Pourquoi il joue le coin? Est-ce que je le prends maintenant? Non, je vais pas le prendre. Maintenant parce que je suis pas pressé pour le prendre. Il peut pas le prendre. Donc. Margagne. Pourquoi Margagne? Il a abandonné?
Et pas perdu, hein. J'avais un coin. On n'avait pas perdu. Ah, c'est moi? Blanc. D'accord. On l'a fait au change. On va ouvrir comme ça. Et puis je vais en haut. Au milieu. Je vais dessus. Je vais en bas. Bien. Et je vais là. Tu m'exclus tout à l'heure. Oui. Wow. Joli tout. Mais je vais éteindre. Prends ta diagonale. Rapide. Peut-être en haut. Mais qu'est-ce que... Ouais. C'est le problème. Alors lui, il a un bon niveau, lui. On prend le point. Je vais contrer là. Et après, je pourrais prendre le point du haut. On prend toute la ligne. Du bas. Moi, je vais valider. Enfin, je vais prendre. Ça, c'est des pions. Des pions qui ne pourra pas me retourner. C'est là, là. On a un bon niveau, on va voir. C'est possible que je perde. Parti et il m'a pris quand même deux coins. Oui. Là, je perds 33 à 31. Bien joué, bien joué. C'était un beau match. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, si vous voulez découvrir ce jeu, n'hésitez pas à aller sur Internet et à essayer ce petit Othello pour Reversi. Faites une bonne journée et à plus. Sur Periscope ou ailleurs.